Bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, par avance, je tiens à m'excuser si jamais ma voix venait à ne pas être vraiment claire, audible. Je connais quelques petits soucis avec ma voix. J'espère que ça va vite se régler. Donc, en attendant, par avance. Voilà, veuillez m'excuser si c'est pas top comme on dit. Je vais faire du mieux possible. La vidéo que l'on va voir aujourd'hui est une vidéo qui concerne la campagne de réemploi Emabuntu Debian Facile. Alors, sur la chaîne Blabla Linux, playlist campagne de réemploi, nous avons déjà vu la première vidéo, moins de 3 minutes pour l'installation d'un ordinateur. Qui dit mieux? Deuxième vidéo, moins de 2 minutes pour l'installation d'un ordinateur. Qui dit mieux? Troisième vidéo, création clé USB de réemploi version longue, donc version longue avec des explications. Quatrième vidéo, création de clé USB donc de réemploi version courte, pas d'explication. Cinquième vidéo, Emabuntu pour la Belgique, nous avons besoin de matériel. Sixième vidéo, clé USB de réemploi Emabuntu, vidéo bonus live USB. Septième vidéo, clé USB de réemploi Emabuntu, vidéo bonus, le thème de la campagne. Alors, ensuite, huitième vidéo, je vérifie, oui, huitième vidéo, la carte des reconditionneurs, campagne de réemploi. Huitième vidéo. Eh bien, la neuvième vidéo, celle d'aujourd'hui, va concerner la création de la clé USB, mais pour nos amis qui se trouvent sur Windows. Des personnes, des associations, des sociétés même ont peut-être envie de se créer une clé USB de réemploi, donc Emabuntu Debian Facile, mais n'ont pas un environnement GNU Linux à disposition, n'ont pas envie de dédier une machine physique à un système GNU Linux, donc exprès pour se créer cette clé USB de réemploi, donc Emabuntu Debian Facile. Donc cette vidéo est là pour ces personnes, puisque cette vidéo va montrer la création d'une clé USB de réemploi Emabuntu Debian Facile sur un système Windows. Vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai dédié un laptop à un système Windows, et c'est ainsi que je vais travailler. Je vais me connecter à distance sur ce laptop et je vais vous montrer le pas à pas, donc la marche à suivre. Je n'allais quand même pas virtualiser dans un système virtualisé. Je m'explique, parce que sur le système Windows, sur lequel je vais me connecter à distance, nous allons installer un logiciel de virtualisation libre dans lequel nous allons procéder à une installation d'un système libre pour pouvoir créer notre clé USB. Sinon, je pouvais sur mon système libre personnel virtualiser un système Windows dans lequel j'aurais virtualisé un système libre. Vous voyez un peu? Non, on va faire plus simple. J'ai dédié une machine à un système Windows et c'est à partir de là que l'on va travailler. Alors, petit problème, mais bon, qui n'en est pas vraiment, vraiment un. La vidéo sur la création de la clé USB, la vidéo avec les explications, dure 40 minutes. Ce qui voudrait dire que la vidéo d'aujourd'hui, eh bien déjà c'est minimum, c'est 40 minutes, plus tout ce qui concerne les explications dédiées à VirtualBox, logiciel de virtualisation grâce auquel vous, Windowsien, vous allez pouvoir installer un système libre pour la création de la clé USB. Donc voilà, je ne vais pas dans cette vidéo pouvoir me permettre de rentrer dans de longues explications. Donc ça va vraiment être un pas à pas. Voilà, faites comme ça, faites ci, cliquez là, déroulez le menu là, ok? Maintenant, si vous voulez des explications complémentaires,
supplémentaires, regardez en description de cette vidéo. Comme ça, vous allez trouver les liens vers toutes les autres vidéos et notamment vers cette vidéo création de clé USB, donc de réemploi version longue avec les explications. Alors, la première chose, je vais ouvrir la fenêtre principale de Remina. Remina qui est une visionneuse de bureau distant et je vais me connecter sur le laptop dédié à Windows que vous avez vu en début de vidéo. Et la première chose que nous allons faire, c'est démarrer notre navigateur favori qui est Microsoft Edge Chromium. Oui, nous sommes sur Windows. Alors, première chose, nous effectuons une recherche sur VirtualBox. Le premier lien Oracle VM VirtualBox est le site officiel. Alors, Downloads, Windows Host, voilà, VirtualBox en version 6.1.16 se télécharge. Nous allons également avoir besoin du fichier pack d'extension. Ok, ce fichier est le même, peu importe la plateforme, que vous soyez sur Windows, Linux, macOS. Je le télécharge. Voilà. Alors, je vais avoir ensuite besoin, une fois que l'on aura installé VirtualBox et le fichier packs d'extension, nous allons avoir besoin d'un système libre. Et quel système libre nous allons installer? Nous allons installer Emabuntu DE3, puisque la version DE3 est la version stable à l'heure actuelle. Donc je vais sur télécharger distribution. Ne vous tracassez pas, tous les liens que j'utilise donc dans cette vidéo sont en description, ok, donc de cette vidéo. On ne va pas utiliser la version DE4 qui est une version alpha. On va utiliser une version stable, donc la dernière version stable est la DE3 en architecture 64 bits et nous allons effectuer un téléchargement direct. Si ça ne fonctionne pas, on clique ici, problème avec le téléchargement. Donc, lien direct. Et, je vois qu'il vient de démarrer. Je n'ai pas vu. Autant pour moi. Je n'avais pas vu. Donc, j'annule. Voilà. Afficher tout. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Téléchargement, voilà, donc j'ai déjà VirtualBox, le fichier pack d'extension pour VirtualBox et Emabuntu 2.3 architecture 64 est en train de s'achever. Donc nous allons procéder à l'installation de VirtualBox, clic droit ouvrir ou double clic gauche. Suivant. Alors, créer des éléments dans le menu démarrer, oui. Créer un raccourci sur le bureau, non. Créer un raccourci dans la barre de lancement rapide, non. Inscription des associations de fichiers, oui. Suivant, oui. Installer, et c'est parti. Oui. Installer. Alors, on ne va pas démarrer VirtualBox de suite. Terminé. Le fichier pack d'extension, même chose, nous allons l'installer. Clic droit, ouvrir. Il va aller chercher VirtualBox. Il le sait bien puisque on avait laissé cocher la case association de fichiers. Installation. On descend. On accepte. Oui. Ok.
si je me rends maintenant dans Fichier, Paramètres, on peut demander au niveau des mises à jour à obtenir toutes les dernières versions et on peut voir que le fichier pack d'extension est bien installé. Donc ici, je vais mettre de l'ordre. Je n'ai plus besoin de ces deux fichiers-là. Et on patiente que le téléchargement des Mabuntu DE3 architecture 64 bits se termine. Voilà, le téléchargement vient de se terminer. Donc, ce que nous allons faire maintenant, avant de directement procéder à l'installation de la distribution Mabuntu DE3, donc sous VirtualBox, nous allons redémarrer le système pour être sûr d'obtenir un bon fonctionnement donc, du logiciel VirtualBox. Je démarre le gestionnaire de fichiers, téléchargement, clic droit, propriétés. Je vais sélectionner donc le nom de l'image ISO. Je démarre VirtualBox. Alors, nouvelle, je vais passer en mode expert, je préfère, c'est plus sympa. Je colle, je retire l'extension, donc le point ISO, type Linux, version, ce sera Debian architecture 64. Au niveau de la mémoire allouée, je vais allouer 2 Go de RAM, 2048 mégas. Je vais créer un disque dur virtuel maintenant. Créer. Alors, pour être sûr, je vais voir large, parce que je ne sais pas encore si je vais importer les fichiers dans la VM. Je vais voir. Donc, je vais prévoir large. Je vais mettre 60 gigas dynamiquement alloué. Créer. Alors, vu que c'est une fraîche install, ici intervalle de secondes, ici je vais cocher pour avoir plus d'infos, voilà, configuration, avancer, alors presse, papier partagé, glisser, déposer dans les deux sens, donc bidirectionnel, description. Description BBL blabla, ce sont mes identifiants, je les connais puisque je sais ce que je vais mettre lors de l'installation. Disquette, je décoche. Processeur, je vais en allouer 2. J'active PAE NX. Accélération, je laisse comme ça. Affichage 64, c'est pas mal. L'accélération 3D, je n'en ai pas besoin. Alors, contrôleur graphique, VMS, VGA, OK. Bureau à distance, enregistrement, stockage. Utiliser le cache ES de l'hôte, oui. Alors ici, dans le lecteur optique virtuel, je vais sélectionner l'image ISO que l'on a téléchargée. Donc, au préalable. Voilà. Contrôleur SATA, utiliser le cache ES de l'autre, et pour le disque VDI de 60 gigas SSD, non, branchable à chaud, non, son Intel Audio HD,
Réseau du NAT, c'est bon. Port série, pas besoin. USB, pas besoin pour l'instant. Dossier, pas besoin pour l'instant. Et alors ici, voilà. Mais comme ça, c'est bien. On peut procéder à l'installation. On clique sur démarrer. Alors, je coche capturer ici français. Essayer Mubuntu sans l'installer. Installer Mubuntu en mode texte classique. Oui, allez, on va faire ça. Voilà. Alors, pour ma part, Belgique. Clavier belge. Veuillez indiquer le nom de ce système Debian. On peut laisser comme ça. Continuer. Domaine, il n'y en a pas. Continuer. Alors, mot de passe super utilisateur. Continuer. Continuer. Nom complet du nouvel utilisateur. Blablateur. Continuer. Identifiant. BBL. Continuer. Mot de passe du nouvel utilisateur. Blabla. Je peux demander un affichage. Continuer. Confirmation. Blabla. Je vérifie avec l'affichage. Continuer. Alors, méthode de partitionnement. Assister, utiliser un disque entier. Je sélectionne le disque, il n'y en a qu'un. Alors, schéma de partitionnement, on va faire simple. Tout dans une seule partition, recommandé pour les débutants. Alors, terminer le partitionnement et appliquer les changements. Une partition ext4 qui sera la partition racine et une partition swap, donc partition d'échange. Alors, faut-il appliquer les changements sur le disque? Oui, bien évidemment. Alors, pour naviguer, j'utilise la touche tabulation, un tab. OK? Donc, touche tabulation. Et pour valider, je confirme avec entrée. Voilà, installation du système. On patiente. Alors, petite précision, pourquoi est-ce que j'ai choisi et Mubuntu comme système pour créer la clé USB de réemploi. Eh bien, ben, tout simplement, de toute façon, le choix c'était Mubuntu Debian facile, bien évidemment. Mais ce qui m'a fait choisir Mubuntu, et déjà, c'est que dans Mubuntu est intégré nativement par défaut le logiciel multisystème, le logiciel dont on va avoir besoin pour la création de notre clé USB. Faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Oui. Belgique. On laisse l'option la surveillance par défaut. Pas de mandataire HTTP. Analyse du miroir. Installer le programme de démarrage Grub sur le disque. Oui. Choix manuel du périphérique. Installation terminée. Continuer. Voilà, installation complètement terminée. L'image ISO du lecteur optique virtuelle a été éjectée. On arrive sur le menu Grub et pour la première fois, nous allons lancer la distribution. Alors, il y a plusieurs façons d'installer Mubuntu DE3. Ici, j'ai procédé à une installation directe en mode texte. J'aurais pu également procéder à une installation directe en mode graphique ou procéder à une installation en mode live. Ça veut dire que là, je lance
le système Emabuntu 2.3 en mode live, je vois un peu comment il tourne, et puis seulement via le système live, je peux procéder à l'installation. Ici, j'ai préféré ne pas vous montrer le système directement, mais procéder à son installation de suite. Et là, maintenant, vous allez découvrir le système. Alors, je me connecte. Blabla était mon mot de passe. Bienvenue sur Emabuntu Debian Edition 3. Poursuivre sous XFCE. On va répondre à quelques questions, même si, voilà, le choix va être vite fait. Ce n'est pas important pour ce que l'on va faire. Ok, je vais faire ceci. Voilà. Activer GSpeech, non. Activer l'ouverture automatique de session. Oh, pourquoi pas. Valider. Alors, donc j'active le dock, verrouiller par défaut le dock, activer la barre des tâches, activer le sélecteur des espaces de travail, activer Redshift, activer le gestionnaire de presse-papier, activer le thème sombre, activer les événements sonores, valider. Alors, veuillez sélectionner la version du dock la plus adaptée à vos besoins. Complète, validé. Alors, voulez-vous installer des logiciels non libres dans la distribution? Non, merci, et je ne veux pas que cette fenêtre s'affiche au prochain démarrage. Validé. Alors, voulez-vous supprimer les langues inutilisées dans la distribution? Oui, on laisse tout cocher, on décoche juste ceci, afficher cette fenêtre au prochain démarrage. Donc validé. On patiente. Voilà, terminé. Alors, afficher cette fenêtre au prochain démarrage. Non. Nous n'avons pas besoin d'installer les additions invitées VirtualBox parce que, comme on peut le voir, ils sont intégré par défaut dans la distribution, tout comme l'agent VMware, donc pour le logiciel de virtualisation VMware. Ce que l'on va faire, nous allons redémarrer. J'ai demandé une connexion automatique à la session, donc je ne devrais pas me loguer avec mon mot de passe. Pour le full screen en mode fenêtré, c'est un petit bug, on fait ceci et c'est réglé. La première chose que l'on va faire, c'est important, c'est appeler une instance terminale et mettre le système à jour. C'est impératif. Donc sudo apt update, le mot de passe du Seigneur qui va bien, et ensuite sudo apt upgrade. Je valide par entrée Winter, je confirme par entrée Winter, et on laisse faire. Donc ceci afin d'obtenir un système entièrement à jour, parce qu'on a besoin notamment que le logiciel multisystème qui va nous servir pour la création de la clé USB de réemploi soit, lui, donc à jour. Système à jour. Alors, ce que l'on va faire, vous pouvez redémarrer. Moi, pour ma part, j'éteins le système et je vais créer un instantané au cas où je connaîtrai un problème plus tard. Alors, petite précision, je vous ai dit tantôt que voilà, j'avais choisi comme système pour procéder à la création de notre clé USB, donc comme système Emabuntu 2.3, parce que multisystème, le logiciel était intégré à cette distribution, mais pas que.
Jenny, l'éditeur de texte avancé, est également intégré à la distribution et nous en aurons besoin. Donc nous aurons besoin du logiciel multisystème et du logiciel Jenny qui sont tous deux intégrés à cette distribution. Si j'avais choisi une autre distribution, j'aurais dû vous faire installer ces deux logiciels. Je vais prendre un instantané. Voilà, prendre, et je vais tout simplement le nommer. Ok, alors maintenant, ce qu'il va falloir faire sur mon système Windows, une clé USB et connecter. Cette clé USB, il va falloir en réalité la connecter à notre système GNU Linux et Ubuntu. On va voir comment faire. Ensuite, pour créer notre clé USB de réemploi, il va nous falloir des fichiers. Oui. Fichiers qui se trouvent sur notre système Windows. Il va falloir y avoir accès via notre système invité, donc Ubuntu DE3. Voici ces fichiers. Moi, j'en ai beaucoup trop. Vous n'avez pas besoin de tout ça. OK ? En réalité, vous allez avoir besoin de l'image ISO CloneZilla, de script, et alors bien évidemment d'un clone. OK, donc il va falloir que je vous montre également comment avoir accès à ces fichiers via le système invité. Et tout se passe où? Eh bien, tout se passe déjà dans la configuration de la machine virtuelle USB et dossier partagé. Petit conseil, vous pouvez utiliser une clé USB 3.0, il n'y a aucun problème, mais connectez-la sur un port USB 3.0. Parce que ça se pourrait que si vous utilisez une clé USB 3.0 connectée à un port USB 3.0, hein, comme il se doit, vous pourriez avoir un problème de montage dans le système invité. Donc ici, moi, j'utilise une clé USB 3.0, mais qui est connectée sur un port USB 2.0, et je sélectionne ici USB 2.0. OK ? Je vais ajouter... je vais ajouter ma clé. Voilà. En passant par ici, ça veut dire que quand le système invité va se lancer, la clé USB va automatiquement se monter donc dans l'invité. OK ? Comme ça, c'est fait. Ensuite, dossier partagé. Nous allons mettre en partage donc le dossier qui contient tous nos fichiers. Autre. Voilà. Clé USB de réemploi sélectionnée. Alors, ma clé USB, une fois montée, va se nommer clé USB. OK ? Donc ici, le nom du dossier, je ne vais pas laisser clé USB de réemploi. Je vais simplement l'appeler dossier. OK ? Lecture seule, non. Montage automatique, oui. Et ici, on va spécifier un point de montage. / home. / votre nom utilisateur. Moi, c'est voilà, c'est BBL. / je veux qu'il soit monté dans dossier. OK. Je pense que c'est bon. Voilà. Je pense que comme ça, on devrait être bon. OK. Je peux démarrer mon système invité, ma Ubuntu DE3. On peut voir que ma clé USB apparaît déjà bien ici sur le bureau. Je vais démarrer le gestionnaire de fichiers. Que voit-on? On voit ma clé USB. Je vais la monter. Voilà, on peut voir quoi? Mon répertoire partagé,
que j'ai nommé dossier. Donc l'invité le voit avec le nom dossier. Et dossier est monté dans mon répertoire utilisateur. Ok ? Alors, que va-t-on faire maintenant ? Nous allons prendre tous les fichiers dont nous avons besoin. On pourrait travailler directement comme ça, mais je me dis, si jamais on a un souci, donc une perte de connexion au dossier partagé, ça ne va pas le faire. Donc, ce que je vais faire, regardez bien. Il me faut, dans les fichiers utiles, les deux scripts. Il me faut CloneZilla en architecture 64 et il me faut le fichier texte modif, donc en 64. Je copie, je vais mettre tout cela dans document, je colle. Ensuite, je reviens de nouveau vers dossier. Il va me falloir un clone. Je vais prendre, bien évidemment, allez non, nous allons prendre un clone Debian facile, architecture 64, voilà, je copie, je le mets dans document, je colle, je vais déjà donc extraire notre clone qui est en fait une archive, hein, une archive.tar, donc clic droit et extraire ici. Voilà, et là, nous allons pouvoir réellement commencer la création de notre clé USB. Il était temps, hein. Pour plus de facilité, je vais passer en plein écran. Voilà, mais je vais redimensionner ainsi. Alors, ce que l'on va faire, nous allons avoir besoin du logiciel Gparted. Voilà, il faut s'identifier, mot de passe du Seigneur qui va bien. Gparted se lance et nous allons devoir préparer notre clé USB. Je vais accélérer un peu, tout simplement parce que, regardez la description de la vidéo, si vous voulez beaucoup plus d'explications, eh bien allez voir notamment la vidéo création de clé USB version longue. Ok ? Donc, attention, on choisit bien sa clé USB. Ok ? Alors, périphérique, créer une table de partition. Ah, la clé USB est montée. Donc, nous allons faire clic droit, démonter. Périphérique, créer une table de partition de type MS-DOS. Appliquer. Ensuite, clic droit, nouvelle, donc nouvelle partition. Alors, système de fichiers, FAT32, étiquette, moi je vais donner comme nom d'étiquette multi-système. Alors, la taille, je ne vais pas rentrer dans de grandes explications. Donc vous savez bien, il y a des liens en description de la vidéo si jamais allez voir. Taille minimum, on va dire 1 giga. Maintenant, vous pouvez mettre 4500 mégas, donc 4 giga 5, voire plus, si vous voulez placer un système live sur cette clé USB. Ok ? Vous pouvez prévoir le coût. Vous pouvez dire, moi je prévois le coût d'avance, je vais mettre 4 giga 5, ne pas placer de système live, mais au moins si je vais en placer un sur cette partition là, eh bien je pourrais le faire par la suite. Donc regardez, on va directement faire 4500
méga 4 giga 5. On ajoute. Ensuite, clic droit sur ce qui est non alloué, nouvelle, XT4. Ici, c'est impératif. On ne donne pas comme nom d'étiquette ce que l'on veut, mais on met image en majuscule avec S. On ajoute. On applique. Appliquer. Et notre clé USB va être prête à l'emploi. Voilà, fermer ma clé USB est prête. Je peux fermer Gparted. Et c'est parti. Nous allons appeler le logiciel multisystème. Alors, on va choisir la langue français et redémarre en français. Nous allons devoir monter la partition FAT32 que l'on a nommée multisystème. Pourquoi ? Parce que regardez, si je clique ici, veuillez sélectionner le volume USB à utiliser dans la liste ci-dessous. Attention, Grub 2 sera installé dans son MBR. Donc, je monte la partition FAT32 multisystème. Je rafraîchis, la partition FAT32 apparaît, je la mets sur brillance, je valide. Veuillez confirmer l'installation donc de Grub 2 dans le volume /dev/sdb1, je valide. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir de nouveau une instance Tunar. Je vais me rendre dans documents, ce sera plus facile ainsi. Ensuite, nous allons sélectionner l'image ISO de CloneZilla. Donc on va jouer du copier-coller. Clic droit, copier, je me positionne ici. Clic droit, coller. Le mot de passe du seigneur qui va bien m'est demandé. Je valide par entrée ou enter. Ensuite, nous allons utiliser le fichier TXT, modif grub multisystème. Double clic. Nous allons sélectionner ce dont nous avons besoin. Je pourrais tout sélectionner et donc copier tout. Mais je vais juste sélectionner ce qu'il faut. Voilà, je copie. Je copie ensuite multisystème, menu, réglage grub.cfg. Voilà, je vais vous montrer l'emplacement exact où aller coller notre copie. Alors nous avons une ligne multisystème start. Nous avons une ligne multisystème stop, nous avons une ligne multisystème menu début, nous avons une ligne multisystème menu fin, et bien c'est justement à la fin de cette ligne que l'on va se positionner. On valide par entrée ou enter, et je vais faire CTRL-V. On ferme. Le fichier grub.cfg n'est pas enregistré. Voulez-vous l'enregistrer avant la fermeture? Oui, enregistré. Alors, je peux fermer. Mise à jour de grub. Donc, mot de passe du seigneur qui va bien. Je valide par entrée ou enter. Voilà, c'est terminé. Nous pouvons fermer multisystème. Nous allons nous occuper de la partition XT4, donc qui se nomme image en majuscule avec S. Nous allons cliquer sur image, clic droit, ouvrir Tunar en root, donc blabla. Voilà,
parce qu'il me faut les privilèges pour coller dedans. Donc je sélectionne les deux scripts, clic droit, copier, je colle. Alors on va leur apporter une modification. Nous allons faire un clic droit, propriété, permission. Voilà, bien vérifier que cette case est cochée. OK. Elle y est. C'est bon. Ensuite, nous allons sélectionner eh bien, notre clone, pas l'archive. OK. Donc, clic droit, copier. Coller. Ça se termine. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. On va faire ça proprement. Voilà. Nous allons tout simplement. Regardez bien ce que l'on va faire. Arrêter la machine virtuel, donc éteindre. Je vais vous montrer que la clé fonctionne. Je vais même vous le montrer au travers de VirtualBox. Comment? Grâce à l'utilitaire de démarrage Plop Boot Manager qui va me permettre de démarrer sur la clé USB directement. Voilà. Alors, vous devez formater le disque du lecteur E avant de l'utiliser. Surtout pas, c'est parce qu'il a détecté la partition EXT4, donc Windows, il ne la connaît pas. Donc lui, il vous dit, oula, faut formater ça. Non, surtout pas. Donc on revient sur VirtualBox, configuration. Alors, configuration, stockage. Alors, je vais insérer dans le lecteur optique virtuel l'utilitaire dont je vous ai parlé, qui doit se trouver dans les fichiers utiles. Non. Je ne l'ai peut-être pas sous la main. C'est pas grave, regardez. Nous allons aller le chercher. Nous allons faire cela ensemble. Donc je démarre de nouveau notre navigateur favori. Donc Microsoft Edge Chromium. Et nous allons aller chercher Plop Boot Manager. Voilà. Nous allons prendre la dernière version, la 5.0.15. C'est une archive zip, voilà, je la télécharge. Téléchargement. Voilà l'archive zip. Je peux fermer donc le navigateur. On désarchive. Donc extraire tout. Voilà, donc c'est bien image ISO. OK. Donc, ce que l'on va faire, nous allons faire choisir un disk file. Voilà. On va chercher l'image ISO. OK. Nous allons faire système. OK, c'est bon. Et normalement, si je démarre, voilà, nous avons bien l'utilitaire de démarrage Plop Boot Manager qui me permet de démarrer directement sur la clé USB. OK, donc je vais faire entrée USB. Si jamais ça vient caler, vous fermez la machine virtuelle. Nous allons... Elle est dans la configuration USB. Nous allons supprimer ici.
passer en contrôleur USB 1.1. Nous allons démarrer et nous allons connecter manuellement la clé USB. Voilà, je me positionne sur la clé USB. Voilà. Donc, si je sélectionne clé de réemploi Mabuntu, installation automatique par clonage, vous allez voir que les deux scripts vont commencer à faire leur boulot. Voilà, ce clone a été trouvé sur la clé USB, donc le clone de DFISO architecture 64 bits. Attention, voulez-vous partitionner le disque slash dev slash SDA, toutes les données seront détruites. Oui, je valide par interrupteur. Il repose la même question pour être bien sûr. Oui, je valide par interrupteur et c'est parti. Et là, mon système invité est totalement détruit. C'est pas grave parce que j'avais pris un instantané. Voilà, le clonage a démarré. J'arrête la vidéo là parce qu'il y a de nombreuses vidéos qui montrent justement la fin jusqu'au bout, qui prouvent que ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye et une prochaine. Voilà, maintenant les utilisateurs de Windows qui veulent se créer une clé USB de réemploi avec un système libre, donc GNU Linux et Mabuntu 2.3 ou avec le système libre DFISO, donc Debian facile, eh bien pourront le faire. Et bientôt, vous allez pouvoir créer votre propre clone, parce que la prochaine vidéo, ce sera comment créer son propre clone. Mais, cette fois, ce sera entièrement tourné sur un système libre. Ok? Fini Windows. Petit clin d'œil. Allez, bye bye.